Salut les démons, level 57. Ouais. Man. Oui. C'est parti. Assure. Oui. RL, tu sais où est Bard? Il doit être dans le labo du fond. Ok. Sois prudent, je suis en route. Compris. J'y vais. Ok, yeah, on y va. C'est fermé. Ok. Comment j'avance? Ah, c'est par ici. Lance roquette, il fait mal. Ok, lui il tombe. Pas au calme. Ok, j'ai récupéré la clé. Ah. Allez, let's go. Là, j'avance. Là j'avance. Je cours. Cours. Alors. Ici. Voilà.
Ok. Alors, c'est quoi ça? Oh! Ça avec ça. Bosco. Fait le tour pour rien. Ouais, il y a une porte. C'est beaucoup plus simple. J'avance. Oh my god. C'est mal ça. Avance. Excusez-moi, tout ce que je voulais savoir, c'est ce que ces documents faisaient dans votre bureau. Vous savez à qui vous parlez? Je suis Nathaniel Bard, bon sang! Ok. Le... Meilleur. Ouais, ouais. Meilleur, je sais pas quoi. Bard est mort. Il a été abattu. Merde. Ouais. Et le vaccin? Je cherche. Ouais, ben trouve. Ok. Il doit y avoir un ordinateur, non? Va chercher. Hop. Et je vais prendre l'herbe. Ah, voilà un ordi. Ok, cinématique. Ici, le chef du VRC. Nathaniel Bard, 29 septembre, 23h. Je suis parfaitement conscient que mon temps est compté. Et j'espère qu'en faisant cet enregistrement et en révélant la vérité au grand jour, je pourrai rétablir mon honneur ne serait-ce qu'un tout petit peu. Le cauchemar de Raccoon City a commencé avec la libération d'une arme biologique appelée Virus T. Mon employeur, Umbrella Corporation, a conçu ce virus.
Et ils ont ordonné à mon équipe de développer un vaccin, ce qu'on a fait. Je garde des échantillons de ce vaccin ici dans mon bureau. Et le reste est stocké sous terre. D'accord. Mais tous ces enfoirés qui sont aux commandes, ils veulent le détruire. Ils ne veulent pas que le monde sache ce qu'ils ont fait. Donc ils essaient d'effacer toute trace de l'existence du virus. Mais je suis pas stupide. Je sais qu'ils veulent pas que... Partout ? C'est qui l'a pété, enfin ? Ça, c'est une bonne question. Oh mon Dieu, Jill avait raison. Elle m'a quand même fait confiance. La vache. D'accord. Tape sur l'écran et puis ça ouvre la porte. Bon. Bon. Le vaccin est ici. Tyrell, je l'ai. Ouais, je l'ai. Bien joué. Je te rejoins. Ok. Sois prudent. Prudent ? Non mais, t'as vu l'état de la ville ? Ouais. Ce sera un putain de miracle si j'arrive en un seul morceau. Ouais, ben là, je peux te comprendre. Ok. Ça, j'ai pas fait gaffe. Ça couche. Hein ? Non, ça c'est poigné. Tout va s'arranger, Jill. Oh, désolé. Là, je vais donner le vaccin à Jai. Ok. Là, c'est une bonne dose.
chercher. Ok. Ça nous laisse qu'un jour. Il reste des survivants en ville. Va dire ça à l'oncle Sam. Bah là, c'est pas cool. Merde. Ils arrivent. Ok, reste là. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Je ferais mieux de m'équiper. Ils ont l'air sacrément nombreux. Je vais... Prends ça. On peut me débarrasser de la carte. Allez, c'est parti. Je vais essayer de baisser les volets des fenêtres. Moins il y a de points d'entrée, mieux c'est. Comment tu comptes t'y prendre ? En piratant le système de sécurité de l'hôpital. Toi, retiens-les pendant ce temps-là. Ok. Mettre le disjoncteur en fait. Elle descend encore. Pas trop marrant les zombies. Sur deux frames. Animation sur deux frames en face. Long, hein.
zombies là. Bon, il n'y a plus aucun zombie qui veut rentrer. Ok. Oh my god. Arnold, tu peux peut-être faire tomber la colonne avec cet explosif. Ouais. Je le fais. On occupe. Ok, donc là ça va. Connu mieux. Mais au moins c'est fini. J'arrive. Donc là, tant qu'il enlève tout, qu'il arrive. Le vaccin a l'air de marcher. Bien. Tu vas quelque part? Peu, ouais. Et tu vas faire quoi? La ville est sur le point d'être pulvérisée. S'il te plaît, appelle le gouvernement. Dis-leur qu'on a trouvé un remède. Gagne ouais. Du temps. Et quelque chose. Toujours qui joue au con. Jill. Oh. Dieu merci, t'es vivante. Bonne nouvelle. Tout est fini. La ville est sauvée. Hein? Carlos? Ah, c'était un rêve. Je suis où, là? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ouais, bah, c'est un pansement... Comme ça, hein. Alerte à tous les citoyens. Le missile sera lancé sur Raccoon City dans quelques heures. La charge est suffisante pour éradiquer toute forme de vie biologique. Vous ne survivrez pas si vous restez dans la ville. 1er octobre? Évacuez immédiatement. Je répète, non. Évacuez immédiatement. C'est impossible. Ceci n'est pas un si c'est possible. Non, top. Voilà le bon truc. Alors, bien dormi? Tu m'as sauvé la vie. Moi, j'ai fait que dalle. Pour remercier Carlos, il t'a porté jusqu'ici et t'a soigné. Ce mec est dingue. Où est-ce qu'il est? Parti au sous-sol. Bardi a stocké le vaccin. Il y a peut-être encore un espoir pour la ville. Je crois quand même pas y arriver tout seul. Je vais aller le rejoindre. Attends, t'as pas vu à la télé? Ils vont rayer la ville de la carte. J'essaie de contacter quelqu'un, n'importe qui, en mesure d'arrêter ça. Ouais, mais c'est... Laisse-le faire son job. C'est un pro. Moi aussi. Ouais, moi aussi. J'arriverai pas à te dissuader. Non. Entre vous, je trouve sous nos pieds. En dessous de cette place. J'ai perdu contact avec Carlos. Attends-toi au bout. D'accord. Pense. Si. Voilà.
Ok. Oh la vache. Je dois mener sous terre. Je m'en rends ici. Alors, je descends. Là, j'avance. Oh, c'est bien le truc. Je dois l'avouer, ta ténacité force le respect. Mais j'ai bien peur que la partie s'achève ici. Tu penses que c'est fini? Bah, tu penses que c'est fini? Dis-moi tout. Il y a des chiens qui se promènent. Alors. Ah ! Combiné.
je peux descendre là. Et voilà, ça y est. Allez, et voilà. Allez. Merde, il s'est barré. Ah bah comme d'hab. Mais qu'est-ce qu'il faisait ici? Vous mettrez en pause. Donc, petite cinématique. Jill! Tyrell! J'ai réussi. Ils veulent bien négocier. Ok. Oh oh. Ils annuleront la frappe si... Et c'est un putain de si... On arrive à leur livrer le vaccin... Avant le lancement. Ok. On a combien de temps? Quelques heures, au plus. Ok, alors y a pas une seconde à perdre. Y a pas une seconde à perdre. Le vaccin devrait être par là. Ok. J'avance. Ah, moi je peux pas courir, mais lui il peut courir. T'es sûr que tu veux pas rester là? Pourquoi faire? Je viens avec toi. D'accord. Alors on continue. Allez, c'est parti. Clé de déverrouillage générée avec succès. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça clé c'est une de clé. Déverrouillage retirée. Et donc ça, je peux. Ah, maintenant. Et le vaccin. Il est demandé au personnel de l'usine de déverrouillage jusqu'à la fin de la.
Ah ouais, ouais. Déverrouillage effectué. Ok, je prends ça. Je devrais pouvoir synthétiser le vaccin avec ça. Il est en train de se régénérer ? Avec l'eau. Oh. Ça doit être l'alimentation. Ouais, ça doit être l'alimentation. Voilà. Là, j'avance. Avec mon lance-roquette, t'as fini. Oh, calme. Oh, dégagez! Là, je peux aller. Tourne. Un peu bizarre parce que. Je me l'attendais. Hein? Là, j'avance. Démarrer la synthèse alors. Du vaccin. Placer les substances dans le compartiment. Voilà. Synthèse du vaccin en cours. Yes. Yes. Synthèse effectuée. Veuillez retirer le récipient. Ok.
Là, j'ai le vaccin. Là, c'est pas possible, hein. Je peux pas me lâcher. Ok. C'est pas possible, il peut pas me lâcher. Là c'est bon. Tu peux avancer là. Allez, avance, avance, Jack. Alors. Voilà. Là où? Ah, c'est bon. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est quoi encore cet endroit? Ok. Encore lui. Et oh. Mais qu'avons-nous ici? Nikolai, non! La ville a besoin de son vaccin! Plus que moi. Apparemment, mes conseils ne sont toujours pas rentrés dans ta petite tête. Oui, je sais, pour toi, la vie, ça n'a pas de prix. Allez-y. Mais moi, je suis là pour gagner du pognon. Faisons un marché. Descends là-dedans, affronte le Némésis, et j'enregistre tout ça pour vendre les données de combat. Assure le spectacle et... j'aurais peut-être pas besoin du vaccin. Deal ? Bien. Enfoiré. Enfoiré. Jill, c'est toi ? Ouais. Carlos ! Ouais. Laisse-moi te guider. D'accord. Bonne idée. Voilà, c'était très vite. Jill ! Ouais. Je t'envoie la grue ! Accroche-toi à elle ! Ok. Allez, monte !
Ah, vas-y, vas-y. Tu veux la cible ? Ok. Ok, on se retrouve plus loin. D'accord. Pas de problème. Nikolai, où est-ce que t'es passé? Il faut que je récupère le vaccin. Hey. Et je cours. Des endroits qu'on peut pas décevoir. Ah, sans blague. C'est fait. Donne-moi le vaccin, espèce de sale ordure. Oh non, 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 non. Tu faut de l'or. Et j'aime ça. Ah. Je crois que notre partenariat est fait pour durer. Allez, jette ton flingue. Pas comme ça, toi. Oh my god. Oh non, c'est pas possible. As-tu déjà vu quelque chose d'aussi incroyable? Non, des données là-dessus pourraient valoir des millions. Mais... Ah, je vais pas te faire un dessin. La ville est sur le point d'exploser. Et la vie, ça n'a pas de prix. Bonne chance! Nikolai! Jill! Cours après Nikolai! Ouais, vas-y, il a le vaccin! Et toi alors? T'inquiète pas. Écoute, on a plus le temps là! Je vais y arriver! J'ai pas de doute là-dessus. Bon, je te préviens. Cette fois, ce sera la dernière fois! Ouais. Ouverture du compartiment. Ça devrait faire. Allez. Allez, vachement fort. Ok. Ça. Que ce soit clair, ça marchera jamais entre nous!
prêt. J'espère qu'il est bien mort cette fois. Tout ça. Allez, on reste amis. Ouais, on reste amis quand même. Pourquoi pas? Je t'ai promis ça, pas vrai? Non! La foirée! T'as la moindre idée de ce que tu viens de faire? Aucune, je m'en fous. Mon client m'a ordonné de réduire Umbrella en miettes. Impact du missile dans 10 minutes. Le missile est parti. Et je dois décoller. Va te faire foutre. Adieu, Jill Valentine. C'est dommage que tu ne m'aies pas écouté. Eh, vas-y, Carlos. Jill, vas-y, tire. Je trouve pas. D'accord. Je vais te toucher. Allez. Il le faut. On n'a pas le choix. Ok. Allez, voilà. Carlos! Je t'avais dit qu'on se débarrassait pas de Carlos comme ça. Même si là, c'était pas loin. On fait quoi de lui? Pourquoi t'as fait ça? Toutes les choses ont un prix, tu sais. Même laisser le monde brûler. Pour qui est-ce que tu travailles? Je te le dirai, si tu me sors d'ici. Je paierai tout ce que tu voudras. Ouais. Imbécile! Imbécile! Si je meurs, tu sauras jamais la vérité! C'est pas grave. J'ai rien contre une petite enquête. Ouais. Ah voilà, il va mourir. Jill ! Tout va bien ? Le voilà. Terminé. Adieu, Raccoon. Raccoon.
sensation de vide, de froid m'a envahi, malgré la chaleur de l'explosion. C'était pas un simple virus qui était à l'origine de tous ces morts. Mais l'avidité. Celle des hommes. Je me suis alors juré que les cendres de Raccoon City seraient également celles d'Umbrella. Je les arrêterai, une bonne fois pour toutes. Ok. On se croira en toi. Donc je vous laisse le générique de fin. Un roule calme, la musique est super, pas mal, hein. Pas bon. Après la musique de fin, Resident Evil 3, le...
Il reste peut-être une petite goutte, hein. En S. Ben voilà les... Hein? Je vais...